Leader petit de Saline, ancien sénateur pays d'Haïti, Moïse Jean-Charles, jodi a confirmé dans micro la presse, gen deux sénateurs depuis un monde qui manifesté ta gen problème, deux sénateurs sa yo, leve moi, pote la kayou. Nous comptons rejoindre encore une fois sur le canal Polar TV la kayhaiti.com pour nous porter deuxième vidéo journée pour qui bourré chargé avec information. Et nous connaissons aujourd'hui un gros levé campé dans le pays d'Haïti. En pile monde prend la riap manifester et qui baille en pile ka victime tout. Gen trois policiers qui ont même perdu la vie dans la boule. Et bien c'est un gang Timakakyo qui ont même retirer la vie trois policiers ça yo. Et bien mesdames et messieurs, je dis à moi Jean-Charles fait qu'on est gouvernement Ariel Henry a pas prendre rien vraiment pour peuple là et c'est poche nèg yo a plein. Et bien gain et deux sénateurs c'est eux même qui mettait directeur police, c'est eux même qui mettait ministre, c'est eux même qui mettait commissaire gouvernement depuis gain un monde dans manifestation qui t'a mourir ou bien blessé, lever cadavre là porter le cahier deux sénateurs ça yo et nous va le faire entendre deux sénateurs ça yo qui sénateur yo en dans vidéo ça. Gen tout André Michel, ancien avocat peuple, ancien nèg qui était derrière barricade, jounen jodi a qui dit le pas dans barricade encore, pas dans manifestation encore, parce que li nan pouvoir. Et bien, mesdames et messieurs, qui jodi a là, avi li gouvernement Ariel Henry qui gen paquet gros palto en dedans, qui implique dans dossier kidnapping, qui implique dans dossier louche dans le pays, pour ne pas jamblier pour le douke, c'est Jovenel Moïse, ou bien PHTK qui fait 10 ans à pourri pays d'Haïti avec question bandit, avec question Genève. Mais le blie tout, si c'est lui-même avec un Resmoun SDPO, Nenel Kassi, Majori Michel, qui au même été formé groupe gang vite l'homme nan qui joune jodi a tourné un véritable cauchemar pour moun torsel, pour moun peigné. Eh bien, jodi a la, André Michel fait qu'on est PHTK qui crase pays a. Nous pas de problème avec ça, mais le pas dit tout, si lui-même tout le responsable dans crase pays a parce que c'est yo qui mette barricade, il mette nèg exam de barricade, joune jodi a nèg sa ou vin de véritable gros chef gang nan pays a. Eh bien, mesdames et messieurs, nous pral faire autant de tout, déclaration sa yo, mais pendant n'ap di ou tout, gen Val, Mako et qui au même jeudi a tout couru avec un beau tête Ariel Henry avec André Michel qui lui-même connaît pour le dire que c'est PHTK et c'est Jovenel Moïse qui crase pays pendant lui-même tout n'est pas oublié. Eh bien et barricade que le tap mette pas si par là qui vient by Matisse journée jeudi à là qui by un pile groupe gang dans pays a été connecté sur vidéo jusqu'à la fin guys. Bonne écoute n'ap tourné en côté en partie dans la déclaration Jean-Charles Moïse. Avec population haïtienne. Premier bagaille, tout le monde qui mourit, tout le monde qui blessé avec balle, de la police tirée, n'importe qui côté de pays, il y a des sénateurs, nous parlons voter, cadavre ça, on l'a caillé. Pas de problème avec mon miracle, non, mais il y a l'idée pour les quotidiens, en plus, il faut que vous avec eux. LP, tu n'as pas le national sous privé. L'aigle à quoi? C'est que tu n'as pas le soc à place. L'aigle à quoi? L'idée politique mettait des mouns en place. L'aigle à quoi? Moun miracle, c'est bon moun. Mais l'idée politique, en plus, on compris. Tout le monde qui blessé dans la ville cabahitienne, tout le monde qui blessé, qui mourit, dans n'importe qui côté de pays, pas qu'à d'avion, à la guerre. La caille d'un, c'est la tête de haïtien. Oui, mais c'est eux, parce que c'est remettre ni directeur police national, c'est remettre ni directeur police comme haïtien. La fête bien. Il n'y a pas de monde qui s'en pour une seule raison, pour traquer moi, Jean-Charles. Ça fait mal. Pour simple, c'est pour manifester. Il y a dans la rue, des bombes. Moi, je ne parle avec un groupe manifestant. L'unité, elle, la police tirée en vous portant sur le monde qui était dans son temps. Fais haïtien, 20 septembre arrivé là, date naissance, papa de salut. Papa nation, depuis jeudi, demain, dans les soins du Zahir pour le Montégas, il va bien pour le Montégas. Empêcher, directeur banque, PDG banque, allemand banque, puis elle monte dans la sonne, empêcher aller. Les footballeurs, les footballeurs, empêcher, munitions, allez dans le bureau, les footballeurs, empêcher.
empêché Ariel sorti. Voilà, c'était donc une déclaration ancien sénateur Jean-Charles Moïse qui t'a parlé dans une conférence pour la presse jeudi à dans ville Cap-Haïtien avant nous aller dans Fonkoudje dans l'actualité à l'autre bord de l'eau pour nous dire non avion Royal Air Force qui transporté dépouille Elisabeth II déposé dans commencement soirée à dans ville nous prend cob pour aller voler à la corruption nous pas d'accord mais si on dit population il y a pas juste pour gaz là parce que au besoin cob pour y avoir plus policiers dans le pays. Parce que nous avons besoin de corps pour acheter matériel pour la police. Parce que nous avons besoin de corps pour nous payer professeurs. Parce que nous avons besoin de corps pour nous employer le temps, 14e mois, pour rentrer à l'école là. Parce que nous avons besoin de corps pour nous... Alors, où t'as dit ça déjà, M. Michel? Le ça, c'est l'autre discussion. Et nous dit. M. André Soubert, mais on tient parenthèse. Dans le dialogue, dans la concertation. C'est sa position, nous. M. André, on tient parenthèse. Qui ça a constaté, puisque... Moi remarqué là où tu as reprendre même ça où tu dit déjà yo depuis ces deux bagages positifs yo a fait avec question gazan qui montait ou même ou pas gain problème avec ça. Cependant premier ajustement qui t'est fait là ministre qui représente gouvernement qui représente SDP dans gouvernement ça que ou appartient que SDP appartenu avec là t'est expliqué dans micro la presse ajustement ça au fait pour faire l'école à l'hôpital ou même M. André Michel qui ça au constaté 8 mois plus tard est-ce que ça a été dit ou est respecté qui fait que jodiant ou mandé gouvernement pour faire une campagne de communication pour dire c'est la police c'est 13e mois c'est 14e mois ou pral bay qui sont constaté ou même avec ministre SDP qui t'a annoncé comme ajustement prix gazan 1 2 3 mais ça au pral fait sont constaté 8 mois plus tard. Qu'est-ce que ça me constate? Moi constate pendant le gouvernement ça qui là, il y a un pile bagaille qui pas fait qui te doit fait. Nous pas satisfait, nous grand pile insatisfaction. Mais ça nous constate gouvernement ça, il augmenter salaire employé l'état en fonction publique là jusqu'à 49%. On d'accord avec moi ça pour qu'on gagne comme vous faire. Et tout le monde qui travaille dans l'état, il est en touché augmentation. Nous constatons, gouvernement, ça a des avantages très spéciaux à la police. Un policier qui est tombé dans l'exercice fonction, c'est 75 000 gouttes qui ont été balayés longtemps pour faire funérailles. Et parfois, 3 mois qu'on passe, il n'y a pas de balle. 75 000 gouttes là, c'est famille, ses amis, policiers qui mettent ensemble, qui fait quête pour enterrer. Je dis, un policier qui tombe dans l'exercice fonction, il a bon 1 million de gouttes. Ça motive les policiers. Et chaque policier a continué à payer la famille jusqu'à ce que le dernier petit policier ait 18 ans. Ça, intéressant. Et nous constatons qu'il y a un effort qu'a fait pour mettre l'ordre dans la gestion finance publique là, même si nous pas satisfaits. Ça veut dire que ça, quelque part, on doit avoir un peu de reproche au gouvernement. Mais il y a quelques efforts qui fait. Mais ça, on souhaite le gouvernement, ça a. Avec toute ministre, il vient bailler un bilan de ça au fait à la population. Par exemple, bon, notre constat nous fait, il y a plus passé 16 000 fonctionnaires d'État qui ont 58 ans, 60, 65, 70 ans, qui ont encouragé à aller à la retraite. Il y a bailler un COB, incitation pour quitter l'État, pour aller à la retraite, pour être capable de faire place aux jeunes. Ça est intéressant. Mais de toute façon, c'est le gouvernement qui doit donner son bilan. Mm-hmm. C'est pas moi qui vous fais le voler. Moi-même, ça me claire sur ça. Nous avons une position de cohérence, nous pas baisser le peuple à mentir, nous pas dans le gouvernement pour nous dire baladane, nous la dans bataille, pas de fait ça, parce que nous avons choisi la transparence. Très bien, Maître André Michel, mais ça qui passe, tu as un pile monde tout sous Jovenel Moïse, qui t'a constaté ensemble de bagailles positives qui t'a fait. Ça qui passe, c'est qu'il faut pas trouver,
Ça fait jodi en ouais tout ça gouvernement ça a fait qui bon yo et puis sous gouvernement Jovenel là on pas trouel alors que vous êtes du côté du peuple. Bon, on croit que tout le monde qui est bon côté peuple là qui est en face de PHTK, Jovenel Moïse la trier connaît. Jodi a bon le ouais bon le pas ouais. Jodi a on peut parler. Mais je peux. Mais c'est ce que vous faites maintenant. Merci en pile. Jodi a situation à vivre là, n'a payé conséquence, bilan PHTK, bilan Jovenel Moïse. Plus gros problème qui gagne dans le pays aujourd'hui, son problème kidnapping, son problème gang, cap kidnapper moun, capture moun. Nous tous nous connaissons, dans le passé sous le ciel, c'est PHTK pendant 10 ans le passé sous pouvoir qui mettait gang dans tout le pays. Nous tous nous connaissons, yo crasé institution l'État, yo. Nous tous nous connaissons, avec corruption, ils volaient toute comme nous t'aiguin. C'est eux-mêmes qui volaient plus, passer 80% dans comme Petro-Caribéa. Maintenant, c'est question de bilan, chacun doit assumer ses responsabilités. Et je crois que, bonjour, cap fini, on fera le bilan, on fera la part des choses. Ma conviction personnelle, et nous participer dans un accord politique, accord 11 septembre, pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, nous avons pile insatisfaction, mais nous constatons tout, grand pile, j'ai fort qui a fait, et pour ça, il n'a pas suffi, et c'est ça que fait, nous demandons pour le ministre, hein, pour prendre responsabilité, pour convoquer un gros table dialogue, pour nous joindre une solution. D'ailleurs, nous faisons partie d'une commission, c'est commission dialogue, accord en septembre, nous rencontrons un pile acteur dans le pays, acteur société civile, acteur politique, nous rencontrons dans le secteur privé, et nous saluons la position du secteur privé à prendre. Côté au jeudi, il faut qu'on discussion qui fait sous question de sécurité et qui pour permettre que nous mène un pays à l'élection. Et jeudi, le Premier ministre a une responsabilité. Nous déjà, nous mettons en commission, produit un protocole de dialogue assorti d'un agenda de discussion pour la conduite du dialogue politique. Nous disons, mais qui ça pour discuter? Faut dialogue la fête sous question sécurité, faut le faire sous apaisement social, faut le faire sous question constitution, faut le faire pour nous joindre un bon conseil électoral, faut le faire pour nous aller dans l'élection. Maintenant, l'autre monde vient pour y agir, pour y réagir, pour y discuter, pour y avoir position et autres, et nous demandons formellement à Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour que de convoquer en discussion pour nous joindre un compromis politique. Nous tous nous tendons dans le pays aujourd'hui, grâce à l'effort qu'a fait dans le gouvernement ça. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que l'État a ramassé plus de 8 milliards de gouttes dans le douane comme taxe. C'est la première fois que ça fait, c'est parce qu'il y a une discipline. Et il faut continuer à combattre contre les bandes, combattre les gars de armes, combattre les gars de munitions. Il faut que l'État continue à prendre responsabilité. Il faut que le commissaire du gouvernement prenne responsabilité pour combattre marché noir, mon gars prend gaz là ici pour le vendre dans domaine. Et il faut que l'État prenne responsabilité. Bref, nous sommes cohérents. Nous pas non gouvernement qu'on a dit non pas la donne, non pas cacher roche voyer, mais au moins faut respecter position nous n'a pas dit. Mais Michel, et l'autre tweet où tu saute li campagne saute li pour là où tu fait le 9 octobre 2019. Comment tweet campagne de li pour là maintenant André Michel, et si me pas tromper moi dans archive là où tu fait le 9 octobre 2019. Et là l'autre a fait li. Vous avez estimé que Jovenel Moïse lui comptait monter Gaza c'est pour péter biscuit population. Mais aussi longtemps que je ne me suis pas trompé, moi, taux d'inflation à l'époque était dans 13%. Jodi a 2022, taux d'inflation est dans 30% et plus. Et est-ce qu'on pensait, Mme André Michel, jodi a avec un taux d'inflation de 30%, et que l'État, via BRH, toujours pas une capacité pour que l'y réguler tout le changement, pour le stabiliser. Est-ce qu'on pense que la décision, ça, que le gouvernement SDP la donne, envisager pour monter le prix gaz, là, c'est pas. Est-ce que c'est pas péter biscuit peuple par 10? Et M. André Michel? Bon, moi, je dis très clairement, Jovenel Moïse est président, un gouvernement qui n'a corruption pas qu'à augmenter gaz de population. Et c'est pas moi qui t'ai dit Jovenel n'a corruption. La Cour
supérieur des comptes et du contentieux administratif, il fait plusieurs enquêtes, plusieurs rapports sur Petro-Caribe. Non seulement il a montré que c'est 90% de PHTK qui vole le compte Petro-Caribe, mais la Cour des comptes a montré tout que Jovenel Moïse même participé dans le compte Petro-Caribe. On te dit au gouvernement qui a volé l'argent par gang, pas le droit de monter le gaz. C'est ça qu'on te dit. Bon, c'est pas moi qui te dis, tout le monde connaît, c'est Jovenel qui te fédéré, gang qui fait jeunesse dans le pays. Maintenant, je dis, nous dans une situation, le gouvernement vient pour l'assumer responsabilité. Tout ça qu'il doit faire aujourd'hui, faut qu'il fasse dans le dialogue avec les partenaires sociaux, faut rencontrer le secteur syndical, faut rencontrer la presse, faut rencontrer tout le secteur dans le pays pour prendre une décision dans la concertation. C'est notre position. Mais maintenant, Michel... maintenant, vous parlez de taux d'inflation, nous tous nous connaissons, ça n'a pas vu ces conséquences, catastrophes économiques, politiques qui passaient sur le pays. Qui catastrophe économique, politique qui passait sur le pays, tout le monde reconnaît, qui c'est haïtien, qui c'est étranger, puis gros catastrophe qui passait sur le pays, c'est pas tremblement de terre 2010 là. Puis gros catastrophe qui passait sur le pays, c'est parce que PHTK fait 10 ans sous pouvoir. Et n'a continué à payer et facture ça, n'a continué à faire face à bilan PHTK qui pratiquement anéantit le pays là. Maintenant, gouvernement, faut le communiquer, faut l'expliquer population, situation, jusqu'à présent. Et c'est ça mon reproche à Ariel Henry. Nous fait Ariel Henry en pire reproche. Nous reprochons à Ariel Henry le fait que jusqu'à présent, il n'a pas fait changement dans la collectivité territoriale. Parce que dans pile monde qui est magistrat, qui est dans la collectivité, dans pile vice-délégué, en pile délégué qui a collaboré avec Nèg qui vient d'âme, avec chef Gambio. Nous reprochons tout parce qu'il n'a pas fait un bilan de situation pays. Parce que la situation économique et financière du pays est extrêmement grave. La vérité, c'est que PHTK a crasé le pays à net. Là, nous disons le bilan, il dit bon, etc. L'appel, il n'est pas appel. Mais nous reprochons ça. Son situation extrême. Mais est-ce que c'est le bilan qui est plus important ou bien poser des actions? Pendant un an que l'on a collaboré avec là, est-ce que c'est un bilan pour le faire de ça qui passe déjà ou bien lui-même pour le poser action? Pour qui ça nous pas encourager le poser action et puis pour le peuple en well, peuple. Ou t'as défendre pour le réaction, pour le vivre. Yo. D'accord. Ok. Belle question. Bon, c'est que l'homme pour un pouvoir, il y a deux bagailles pour faire. Un, faut qu'on fasse un bilan, faut qu'on fasse un diagnostic pour présenter la situation installée dans un véritable état des lieux. Deuxièmement, faut qu'on fasse action. Effectivement, il y a quelques actions qui font. Je ne parle pas de décision qui prend pour augmenter la quantité de l'argent l'État pour ramasser la douane. Je ne parle pas de décision qui prend pour 16 000 employés aller à la retraite pour mettre les jeunes dans l'État. Je ne parle pas de décision qui prend pour augmenter le salaire fonctionnaire de l'État jusqu'à 40%. Ce sont des actions concrètes. Okay? Décision qui prend pour bailler la police, moyens, frais spéciaux pour que soient capables de motiver pour agir dans la bataille contre l'insécurité, contre le kidnapping. Décision qui prend pour acheter matériel au Canada, puisse passer 12 millions de dollars américains pour la police. Ce sont des actions. Mais ça n'a pas suffi. Est-ce que ça va la continuité de gouvernement Jovenel Moïse là? Puisque tout ça n'est pas bon eux-mêmes. C'est continuité. C'est conséquence gouvernement Jovenel Moïse. Mais tout ça qui paraît bon, il n'y a pas qu'à continuité avec gouvernement Jovenel Moïse. Que Ariel Henry qui lui-même, diagnostic ou mandé pour le faire, Michel, mais le tenant gouvernement, ça y est déjà. Ça veut dire l'endan et son PHTK que vous mettez. Même si vous avez dit qu'il était illégal là. Mais qui vient légal après? Mabdou m'aurait bien. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse, président, il a assassiné la Kaeli. Il a tué Jovenel Moïse. Il a assassiné le 7 juillet 2021. Là, il a assassiné Jovenel Moïse, c'est dans un contexte particulier. Parce que par aucune institution, qui là, toute institution crasée, tout le monde qui est lucide, qui est intelligent dans la politique, il comprend la nécessité pour rentrer dans le processus de dialogue. Et c'est dans ce sens-là que nous rentrons dans le dialogue avec Ariel Henry. Si Jovenel Moïse était président toujours, nous ne pouvons pas dialoguer avec Ariel Henry. Et je dis, et c'est ça le plus important, ça très intéressant, tout le monde qui a critiqué SDP à droite à gauche, il a toujours dit, il y a un dialogue avec Ariel Henry. Tout groupe politique dans le dialogue avec Ariel Henry, parce que nous avons une crise politique exceptionnelle. Par exemple, l'autre gens pour sortir la donne,
que par le dialogue, la concertation. C'est ça la vérité. Et, quel que soit Jean Viril, c'est dialogue lié, et c'est Ariel Henry, qui c'est chef gouvernement, qu'on est le gouvernement de facto, ou bien gouvernement de fait, quel que soit Jean Viril, c'est le seul qui a autorité, c'est le seul qui est en situation pour convoquer dialogue là. Et tout le monde est obligé de venir sous table dialogue là. Les amis dans Montana, ils viennent sous table là. Tout l'autre zami, ils viennent sous table là. Tout le monde a dialogué avec Ariel Henry parce qu'il n'y a pas l'autre solution que le dialogue. Et c'est ça qui te mène à nous. Dans l'accord politique en septembre avec Ariel Henry. Et si Jovenel Moïse est là, nous ne pouvons pas rentrer dans aucun accord politique, dans aucun gouvernement avec Ariel Henry. Oui, ça c'est un. Parce qu'il faut mourir pour nous aller dans le dialogue. Et je dis à ma prodigue encore. Rentrer dans l'accord politique en septembre avec Ariel Henry, ce n'est pas une faute politique, nous assumons. Et c'est tellement vrai. Je dis à par un groupe politique, par une force politique, par un groupe dans la société civile qui refusait de parler avec Ariel Henry parce qu'il n'y a pas l'autre solution, c'est le dialogue. Maître Michel. Et oui, objectivement, M. André Michel, comme vous toujours dit, je vous dis, ou Sénégal Valley, donc ça veut dire au Sénégal d'ailleurs, qu'on est situation misère, paysan, et que la terre pas bas encore, vous mettez planté, vous pas joué une récolte, ça veut dire une situation difficile. Est-ce que la population, dans la situation que vous là, selon PAM, il y a 4,5 millions de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. Il a été même prévu que le chiffre ça a passé de 4,5 à 4,6. Il y a parallèlement, ma Brésil, taux d'inflation c'est 30% et quelques quand même. Est-ce que coup de poing ça, c'est pas même un gros coup de poing non, si coup de poing ça, M. Michel, si monter gaz là, son petit coup de poing, est-ce que c'est biscuit peuple qui a supporté de manière objective? Vous êtes l'avocat du peuple. Et je veux dire, vous bloquez la rue. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'oc, dans la situation que vous avez là, de misère, de chômage, ouais, est-ce que vous pensez qu'il a supporté M. Michel Sikout pour ça? Bon, moi-même, qu'est-ce que ça me dit? Moi, je suis un citoyen. Moi, je suis la montagne de Jacmel. Je suis Piba la vallée de Jacmel. Ah, ok. Excusez, M. Michel, d'accord. Moi, c'est Nègre la montagne natale. Bon, la vallée, c'est plus où la caille. Moi, toujours monter là, c'est zone moins. Et puis, son émission spéciale, Zouki Mix, puisque qu'on est payé, il est bloqué, en mode lock. C'est ça, moi, saluer la campagne. Moi, saluer tout l'autre monde qui est des animateurs des émissions, même sur Balade, tant que GPPC, tant que Marco, et moi salue le peuple haïtien Captain D, Radio Scoop FM, en Haïti, tant qu'à l'étranger. Parce que son émission est autant de tout côté dans le pays, il y a autant de là, à l'étranger également. Et son plaisir pour nous font y parler, et après-midi, dans un moment, un côté, grand pile tension, grand pile agitation, comment espérer, nous voilà faire une discussion très franche, une discussion très respectueuse, c'est ça, moi, espérer. Très bien. Maître André Michel, 6, 7, 8 juillet 2018, peuple a été derrière Barricadio et après question gaz que vous avez annoncé qu'il pourrait le monter, eh bien, peuple a pris la rue, bloqué, crasé, brisé. Jodi, et dans le moment ça, vous avez en fait, nous avons dit derrière Barricade là. Maintenant, ou devant Barricade là, à qui sentiment vous vivez le pays lock ça, jodi? Bon. Et ça me capable de dire, question ramasser taxes, ramasser l'argent, il y a toujours un problème pour l'État, sur le plan historique, sur le plan mondial. Il est toujours difficile pour l'État de convaincre le monde pour payer taxes. Et qui tout prend l'époque Jésus-Christ, après Jésus-Christ, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, 19e siècle, nous avons toujours des difficultés pour accepter les taxes. C'est vrai, il faut nous dire tout, avec le développement de l'État moderne, côté conseil de l'État, l'État américain, l'État français, l'État allemand, les gens qui payent dans les pays scandinaves, les gens qui payent des taxes, ils ont l'État pour des services. Ils ont accepté de payer parce que
regarder qualité route, qualité l'école, ouais, et qualité université, qualité lycée, regarder qui quantité bagaille nous t'as fait avec taxio, population qui n'accepte pas les taxes. Ça va son bon dire. Ça qu'a passé là aujourd'hui, hein. Li pas un bagaille qui concerne Haïti seulement, son bagaille qui est mondial, des côtés pour payer taxes, toujours un tapage, toujours une agitation. Même ton en Haïti rapidement. Moi, songer le privé des présidents, privé te prend décision pour mettre un petit cob sous gasoline. Pourquoi c'est un fait de 15 gouttes? Jovenel Moïse, qui était candidat en 2016 en campagne, Jovenel Moïse te dit, on monde qui monte gaz dans le pays, qui ajuste pour gaz, mon ça sont criminels. On le sait, il était candidat, il a cherché le vote. Même Jovenel Moïse, l'elfin président, l'elfin gagne l'élection, là, il rencontre M. Privé, ou bien il a téléphone, d'après ça, il a expliqué, il demande pour monter pour gaz la police. Parce que, quand il y a le président, il prend fonction, il a besoin de cob, taxe là. Il a besoin de cob, subvention, pour être capable d'appliquer la politique. Le Jovenel Moïse devient président, et c'est ça l'histoire. Li pour essayer monter gaz là. Le ça nous-mêmes qui t'en face li André Michel avec tout notre nous capable en face li. Nous dit ou pas rien doit monter gaz. On fait le fait bac. Jodi a Jovenel Moïse il a assassiné 7 juillet 2021 même si nous tous nous condamné assassinat ou assassinat la Kaeli. Ariel Henry vin premier ministre au pouvoir avec gouvernement. Li comprend que l'État dans une situation difficile, les besoins comme pour qu'il monte prix gaz là. On fait historique ça, une façon pour montrer ça qu'a passé là. C'est pas un problème personnel, c'est pas un problème individuel. Un grand débat dans le pays. Il y a mon petit point aujourd'hui à pour qu'il augmente gaz là, pas augmenter disons ajuster prix. Il y a mon petit point pour qu'il pas augmenter, mon petit dans politique et qui pas d'accord. Qui doit gagner mon population pas d'accord tout, mon qui n'a contrebande qui pas d'accord, mon qui besoin gaz là pour vendre dans marché noir qui pas d'accord, mon qui besoin vendre gaz là c'est domaine qui pas d'accord, gagne mon qui gagne raison pour pas d'accord tout. Maintenant je dis il faut que nous fassions un débat. Question gaz là qui s'allie. Ils dit non que l'État subventionne gaz là à hauteur de environ 9 milliards de gourdes. C'est plus que deux fois quantité l'argent l'État a besoin pour lui capable de payer employé l'État. C'est plus que deux fois de la masse salariale de l'État. L'argent pour l'État payer professeurs, payer médecins, payer policiers, payer tout le monde. Maintenant, bon choix des sociétés qui peuvent faire. Est-ce que nous avons quitté le CONSA ou est-ce que nous n'avons pas quitté le CONSA? C'est responsabilité du gouvernement pour communiquer avec la population. Maintenant, deuxième question. Est-ce que les hauts de montée gaz là, les pas monter, disons, ajuster ou retirer subvention, ou bien diminuer subvention, est-ce que l'Eofin fait ça? Gaz là a disponible dans tout pompio en Haïti. Parce que je dis, à galon gaz n'a pas de prix, il vend $300, vend $400, d'un côté le vend jusqu'à $600 haïtien. Question ça, c'est le gouvernement qui peut répondre. Maintenant, troisième question, c'est ça qui concerne les citoyens. Moi-même, comme citoyen, si vous dites, moi, vous retirez subvention, faut qu'on dise qui sont prêts à faire comme là. Est-ce qu'il y a pour tirer subvention parce que vous constatez qu'il y a une nécessité pour augmenter l'effectif policier? Est-ce que nous pourrons recruter 5 000, 10 000, 15 000 policiers dans le pays pour nos sécurité? Est-ce que vous pourrons retirer subvention pour être capable de permettre que tout le monde qui est dans la liste, tout le monde qui est dans l'école nationale, tout le monde qui est l'école dans le pays joue un plateau chaque jour? Est-ce qu'il y a pour tirer subvention pour augmenter le budget investissement l'État, pour augmenter le budget université? Est-ce qu'il y a pour tirer subvention pour être capable de construire route? Est-ce qu'il y a pour tirer subvention pour être capable tout employé l'État en 14e mois pour être capable de petit à l'école? Est-ce qu'il y a pour tirer subvention pour être capable de permettre que les populations bénéficient d'un programme d'apaisement social? Parce qu'il y a 5 millions de monde qui sont en situation de sécurité alimentaire. Est-ce qu'il y a pour tirer subvention pour rejoindre le COB, pour subventionner l'agriculture, subventionner l'engrais? C'est responsabilité du gouvernement pour un débat.
Alors moi-même, ça me comprend. C'est que je dis, hein, nous face à un choix de société, de choix économique qu'on en fait, mais ça qui est important, quel que soit moment, quel que soit contexte là, et dans quel que soit pays, quand on va annoncer ou va retirer subvention l'État sur question de gaz qui sont produits stratégiques, on a toujours bien agitation. Cependant, il appartient au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Évidemment, ça nous-mêmes nous souhaitons. Toute décision qu'on prend, faut les prendre en concertation, faut le prendre en discussion, faut les prendre en dialogue avec les partenaires sociaux. Gain syndicat, gain ouvrier, gain monde qui c'est secteur patronal, faut tout bagaille discuter ensemble avec eux. Mm-hmm. Bien, Maître André Michel, maintenant où faut faire historicité question Jovenel Moïse de Privert. Mais histoire récente là a montré que Maître André Michel, lui-même position le gagnant, le tap poté parole SDP, et par contre, s'il toujours poté parole SDP, l'ité font tweet côté qu'il te dit, moi apprenne gouvernement Jovenel Moïse a décidé monter prix gaz là pour péter biscuit peuple là. L'on apprenne que gouvernement SDP la donne, a dit là, ensemble avec Dr. Ariel Henry, l'on apprenne ça. Et ou t'es au courant, ou t'es tendé, ou t'es gardé, ministre planification que SDP mette dans le gouvernement, li te dit ou pral faire l'école ak l'hôpital ak Kobla. Et moun yo gade ou pa wel. Lo apren nouvelle prix gaz la. Ki sa ou di gouvernement Ariel Henry en pral faire ak peuple la? Fin li tweet la pour moi, s'il te plaît. Tweet pour te faire le journal la. Fin li le moi. Parce que m'a gagné tout dans le screen. Moi apren gouvernement Jovenel Moïse la décide monter prix gaz la. Pour péter biscuit peuple là. Yon gouvernement qui nan corruption k'ap gaspiller l'argent l'état pa gen droit monter prix gaz. Yon gouvernement k'ap voye l'argent bay bandi pa gen droit monter prix gaz. C'est démission Jovenel Moïse qui solution crise là. Très bien. Donc jodi an pour l'on apprendre prix gaz an, si n'a gade tweet là, qui ça gouvernement l'on apprendre que gouvernement monter prix gaz là, qui ça ou qui passe dans tête ou que le pral faire avec peuple là et est-ce que c'est démission Ariel Henry ou mandé? Qui ça qui solution crise aujourd'hui pour vous? De votre lieu étant.